Hey bro, tour du monde à vélo. Épisode 12, le Brésil. On a rencontré donc depuis quelques jours à Florianópolis, trois cyclotouristes également qui font un tour du monde. Donc deux qui font ça entre amis et un autre qui fait ça en solo. On est tous partis quasiment du même endroit. Et on va faire le tour du monde. Et ça, c'est fou. On a quand même quelque chose de... Il y a un point commun entre nous trois. Et de se croiser maintenant, alors qu'on a tous bien entamé notre aventure, c'est magique. Là, c'est magique. Ça y est, nous attaquons le canyon. Il est 11h. Il fait chaud. De toute façon, déjà, on était parti tard. Et puis, en plus de tard, il y a cette crevaison. On va douiller. C'est parti du jeu, là. Pas facile, facile. Et bon, l'équipe est là. Par terre, mais elle est là. Et ben voilà, nous y sommes, enfin! Au canyon, donc, Itaim-Bezino. Un énorme lac qui s'appelle Lagoa dos Patos, et on a pris la décision de longer par la mer. Donc après une belle journée de 20 bornes sur la plage, avec un vent de face, avec de la pluie, on va continuer aujourd'hui, sinon on doit faire demi-tour. Donc je suppose que l'ensemble du groupe, puisque nous sommes toujours 6, décidera de continuer. Donc il nous reste 20 bornes, je crois, avant de pouvoir bifurquer sur la fameuse BR-101, mais qui est une route secondaire, donc qui sera beaucoup plus simple pour circuler, parce que c'est très compliqué. Là, on a toujours un vent de face après une nuit passée dans une maison particulière, avec un propriétaire particulier. Le monsieur nous a accueillis gentiment, je suppose. Il doit avoir autre chose que de l'eau dans sa consommation habituelle. Quoi qu'il en soit, on passe un moment vraiment super sympa à 6. C'est chouette d'avoir Florian, Martin et Anatole. Parce qu'on va réattaquer par du sable, on va réattaquer par du vent. 25 km, c'est pas non plus énorme, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu moins fort ce matin. Tu m'étonnes. On va voir. Déjà, on va manger. Enfin, après 30 km dans le sable, on arrive enfin à toucher le goudron. Je crois qu'on ne l'a jamais autant désiré. C'était très mouillé, donc du coup, le pneu s'enfonçait souvent. Il fallait descendre, faire à pied, remonter, etc. etc. Waouh, c'est fini. Le voyage pour ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Ma chaîne a cassé à peu près, a sauté à trois endroits. La chaîne et le sable n'ont pas trop bien cohabité. Et... Cap de derrière. Ah oui, c'est génial. Hein.
Et moins d'un kilomètre plus tard, nous retrouvons Flo. Problème de chaîne encore. Donc du coup, l'idée c'est de sortir à Slack, c'est ça? Ouais, bah qu'elle serve à quelque chose, quoi. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. J'étais un peu frustré tout à l'heure que ma voile marche pas, tu vois. Il a l'air d'avancer très vite, sur quelques mètres dans la mauvaise direction. Je pense que ça sera la première fois qu'il y a des cyclotouristes qui se remorquent entre eux. Vraiment. Le traîneau est en construction. Flo, c'est bon, t'es chaud? Ah, moi, je fais rien. Allez, c'est parti! Et ça a l'air de bien fonctionner, hein! Les gens comprennent pas, mais ça fonctionne. 5 bornes, ouais, même 6 bornes qu'on roule, il nous reste 1 km avant de rejoindre Guillaume et Denis, qui sont d'ailleurs partis avec un maillon de la chaîne. Et ils sont allés chercher un petit campement. C'est bon, t'es sauvé, Flo? Ça va, on arrive à bon port, on va pouvoir nettoyer les vélos. Merci, hein. Franchement, c'est une belle expérience en tout cas. J'avoue. Moi, je veux bien faire un tour du monde comme ça, en mode... En mode traîneau. Moi, ça me va, hein, franchement. Deux Parisiens et on nous laisse le Breton. Hey. Putain. Bon, il reste parce qu'il a le réchaud, hein. Parce qu'on a un petit problème de réchaud. Ouais, ça a laissé quelques traces.